Bienvenue sur évangileéternel.com. La rubrique Pasteur et Pasteur et Pasteur présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Albert Kaloc à Abunda. Recherchez-vous les enseignements du docteur Albert Kaloc? Allez sur christequality.com/albertkaloc.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Ce matin, on pouvait être là depuis 8h30. Justement, c'est notre intercession la nuit. Si ma bonne na à la maison, on a été attaqué un peu par une petite maladie. Quand on a essayé de prendre le médicament, ça nous a plongé dans le sommeil. Personnellement, je n'aime pas venir après la pandémie, que tout le monde est déjà là. Et quand je me suis réveillé, je suis venu en cascade. Donc, voilà pourquoi je suis là en retard. Alors, nous pouvons encore une fois présenter les excuses. Amen. Amen. Nous allons continuer. Donc, au combat, je vous ai toujours dit, Nicolas, on a besoin. Et que la matière soit bien comprise. Afin d'aller plus loin. Afin de continuer. Nous avons besoin de faire une petite récapitulation. Nous ne faisons pas cette récapitulation pour les absents. Les absents, c'est toujours les absents. Je vais réfléchir d'abord votre mémoire. Ceux qui nous ont suivis pour que que vous ne connaissez pas une difficulté dans ce que nous allons ajouter aujourd'hui. Vous voyez que ma voix n'est pas vraiment bonne. Avec ces instruments qui ne donnent pas de retour. Des fois on pense qu'on n'est pas bien suivi de l'autre côté. Cela nous pousse à décrier avec le souci de saisir tout le monde. On a des problèmes avec la voix. Prochainement, je demande aux frères et sœurs. Chacun de nous a sa manière de contribuer à l'évangile de Christ. Sa manière de contribuer à construire l'église du Seigneur. Alors, quand vous voyez que la voix d'un orateur, non seulement moi, donc il a un petit souci,
Nous avons des médecins parmi nous. Nous avons des infirmiers parmi nous. Nous avons des gens qui peuvent avoir une solution. Mais il ne faut pas attendre un communiqué. La solution, ce n'est pas Eya. La solution. Voilà, c'est comme ça. Allons-y toujours. Donc, il y a un bon fond. Donc, il ne faut pas attendre un communiqué. On va la tête la paix, ça s'en va. On passe encore faire des cotisations ici. Et tous les cas, sous soir, pour ça, ils s'en sont. Il y a des choses à laquelle vous pouvez épargner l'église des communiqués inutiles. Et ça, il y a un peu comme sous, on est au bon pour qu'il s'aille à tes états sans go. Il n'y a pas ma femme, il y a la carte de l'église. Tu peux peut-être le proposer, non? Tu peux amener même le citron, par exemple. Donc, il y a un peu comme un dimon. Il ne faut pas attendre qu'on puisse te demander. Quel est cet évangile que vous avez? Vous ne devez pas attendre qu'on vous demande. Je crois que nous le ferons si tu le permets. Revenons dans notre chapitre d'hier. Nous allons prendre Job chapitre 1, chapitre 31. Job chapitre 30, retournons pour la lecture de sa parole. Verset 6, jusqu'au verset 14. Verset 6 jusqu'au verset 14. On le lit au nom de Jésus. Attendez la vie, la combo à Jésus. Or, les fils de Dieu vinrent Job un jour se présenter devant l'Éternel. Job 31. Job chapitre 31. Verset 6. À partir de 6 jusqu'au verset 14. Que Dieu me pèse dans des balances justes. Il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque suivre s'est attaché à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si je fais le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la main pour un autre, puisque d'autres la déshonorent, c'est un crime. Pour être Esali, mais pas afin que punissent les juges. Esali, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Esali, montre Esali aussi qui s'acquine la liberté. Et qui aurait détruit toute ma richesse. Et il y a un peu de problèmes. Si j'ai méprisé les lois de mon serviteur ou de ma servante, lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire? Nous allons prendre Job chapitre 4. Verset 3. Jusqu'au verset 7. Qui nous a dit moquer à Sambo? Voici, tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié
Tu as fortifié les mains tanguissantes. Tes paroles ont en effet ceux qui chancelent. Tu as affermi les genoux qui priaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Ton espérance, n'est-ce pas? Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir. Quels sont les justes qui ont été exterminés? La lecture de sa parole. Dieu bénisse tout un chacun de nous. Alors une fois que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun de nous. Nous avons encore besoin des interprètes. Je veux dire des traducteurs. Nous devons ajouter sur le traducteur qui est à côté de moi. Notre traducteur aussi. Et ça sera aussi une bonne chose. Job, qui a connu des situations telles que nous avons vu la fois passée. Job qui a reçu le 4 messagers. Job qui a été connu du Seigneur dès avant la fondation du monde. Quand Satan se retira de la face de Dieu, il avait qu'une seule mission, d'aller troubler la vie de Job. Et pour troubler la vie de Job, Job n'a pas vu Satan se présenter comme quand il est allé se présenter devant la face de Dieu avec les enfants de Dieu. Satan va prendre le corps de Sabéen. Il va prendre le corps de Chaldéen. Il va prendre le corps de la foudre. Il va prendre le corps du vent. On n'a pas vu Satan tel qu'il s'est présenté devant la face de l'Éternel. Regardez là où Satan va s'interner pour exécuter sa volonté. Satan pour accomplir son plan. Pour troubler Job. Rendre Job malheureux. Il va s'introduire dans un peuple. Il va s'introduire dans une création de Dieu. Alors il commence à exécuter sa volonté. Si
vous croyez que quand on dit Satan est parmi nous, où Satan est venu troubler ma vie, si vous croyez que vous verrez Satan venir devant vous physiquement, vous allez vous tromper, entre temps vous êtes déjà entre ses mains. Vous voyez comme nous avons vu ensemble, quand Satan a été précipité sur la terre, et quand il a été envoyé sur la terre, la mission de Satan était de troubler les enfants de Dieu. Sa mission était de troubler les églises. Et chacun de nous, si voyait Satan venir comme Jésus l'avait dit, dans le corps physique, Satan venir dans un corps physique, Satan a parce que Satan c'est un esprit. Chacun de nous prendra des précautions. Il sera difficile pour séduire chacun de nous. Et Satan le sait aussi très bien. Je vous ai dit qu'il va utiliser que les corps que Dieu a fait. Je vous dis que Satan n'a jamais créé. Il ne prend que ce que Dieu a fait. Et ce que Dieu, le jour de la création, il a dit que cela soit bon. Il a dit que cela était bon. Et c'est ce corps que Satan prend. S'introduit dans l'intérieur pour maintenant troubler ta vie. Ce sont les peuples qui ont été connus des habitants. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce sont les gens qu'on appelle aujourd'hui les Yémites. Alors, c'est le Sabéen. C'est tout un peuple. Et aujourd'hui, quand on parle aussi de la foudre, chacun de nous sait que la foudre a été créée par Dieu. Quand on parle du vent, nous savons que le vent a été créé par Dieu. Et ce sont des choses que nous savons que ça fait partie des créatures de Dieu. Maintenant, pour que Satan fasse son travail, Satan étant l'esprit tel qu'on a vu ensemble, l'esprit est invisible, Satan est le chef des esprits, ou un ange qui dirige d'autres anges. Étant un esprit, il ne sera pas travaillé dans pour troubler ta vie, pour troubler ta famille, pour troubler tes affaires, pour troubler ton âme, pour Satan va s'introduire dans la création, dans les créatures, dans les bonnes choses. Et quand il entre là, il se cache là-dedans. Et quand il se cache, il ne veut pas que tu découvres que c'est lui. Il peut te donner même l'apparence de dire que c'est Dieu. C'est là qu'il va commencer à détruire l'église, détruire les serviteurs, détruire les ministères, détruire la vie spirituelle des enfants.
nous avons vu toutes choses. Durant notre séminaire, nous avons ajouté aussi quelques éléments. Si Satan n'arrive pas à t'avoir à travers le Sabbat, s'il n'arrive pas à t'avoir à travers la foudre, s'il n'arrive pas à t'avoir à travers le vent, s'il n'arrive pas à t'avoir à travers le chandelier, Satan s'est changé de piste pour t'avoir. Satan a c'est un adversaire qui ne se fatigue jamais. Lui, c'est un grand adversaire. Il ne se fatigue pas. Nous avons vu ça à travers Balak. Balak va dire à Balaam, si ici tu n'arrives pas à maudire ce peuple, je vais te montrer, peut-être de l'autre côté ça peut grossir. Donc Balak disait à Balaam, ça ne réussit pas. Si Satan n'arrive pas à t'avoir, peut-être à travers ce qu'on a vu hier. Et aujourd'hui, nous venons de continuer la solution. Nous ne prêchons pas la loi. Vous allez toquer à mon côté. La loi, c'est prêcher la condamnation. Vous allez toquer à un prédicateur de la loi. Il apporte que la condamnation. Mais il n'a pas la solution à cette condamnation. Dieu dans sa manière de travailler. Vous devez savoir que Dieu condamne. Après avoir condamné, il vous donne une fenêtre de sortie. Il dit que si un homme a péché, avant de dire cela, il dit celui qui pêche est du diable. L'Éternel dit celui qui pêche est du diable. Mais quelque part il prévoit une solution. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un demeure dans le péché à l'éternité. Si tu as péché, il y a un avocat qui est auprès du Père. Dieu n'est pas seulement dans la condamnation éternelle. Mais quand il condamne, il vous montre la foi par laquelle vous pouvez sortir de cette condamnation. C'est pourquoi nous avons parlé hier de l'État latina de l'État qui l'obéit latina la Mameli. Quand je parlais de l'hiver, je n'ai pas dit la vidéo dans des cabarets, dans des bars. J'ai expliqué la loi qui a été donnée à Lévite et à Aaron et à ses enfants. L'Éternel a prescrit la loi à Aaron et à ses enfants. L'Éternel dit non seulement à Aaron et à ses enfants, mais il dit jusque dans génération future. Pourquoi nous avons démontré la génération future dans Apocalypse chapitre 1, verset 6 et verset
L'Apocalypse chapitre 1 vient confirmer la parole prophétique qui a été annoncée à Aaron et à ses enfants. Cette parole disait, quand tu vas entrer dans la tente d'assignation, le lieu où tu vas rencontrer Dieu, ne faut pas prendre le vin ni le boisson alcoolisé. Et quand tu es dehors, tu peux prendre le vin et le boisson alcoolisé. Mais quand tu entres dans la maison où on rencontre Dieu, ça sera une loi à perpétuité. Parce que si tu vas prendre le boisson alcoolisé, prendre le vin, tu ne sauras pas discerner ce qui est impie et ce qui est pur. Et tu mourras. Tu mourras. Mais dehors, tu peux voir. Tu peux faire tout ce que tu veux. Nous avons expliqué que la loi est donnée que pour celui qui entre dans la maison. Quand tu regardes, tu
les corps que Satan avait utilisés pour aller séduire la femme. Et ça, il y a un moment où il y a
attaqué comme quelqu'un qui comme une voiture qui lance les flammes. Démonstration
de Lazare par la maison du mort. Mais pourquoi des lézards dans la maison du mort? Oui, là, y a mon sélecteur par Nandago, y a mon cousin. Vous voyez Lazare? On m'a dit, mon sélecteur est ceci. Yes, il m'a dit. Par la prophétie. Qui est à côté de toi? Quel mauvais pour détruire.
Job dit, remarquez, quand il a vu que toutes choses étaient parties, Job s'examinait. Et dans sa façon de s'examiner, il dit, est-ce que mon cœur, mes yeux, a été séduit par une femme? C'est-à-dire, peut-être, c'est à cause de cette vie mauvaise que je mène que les choses commencent à se régresser. Parmi les choses que Job pouvait s'examiner avec, Job parle de la femme. Or, quand on parle de la femme, est-ce que messieurs ont été séduits par une femme? Même quand tu prêches, les gens applaudissent. Les gens crient. En tout cas, il a la connaissance. En tout cas, il a parlé de la part de Dieu. Ah, ne te trompe pas par ça. Parce que la foule peut t'amener à être avéré davantage. Satan utilise le peuple qui est la foule. Le Dieu sous forme humaine. Paul, l'homme de Dieu. Qui n'était pas dans la vie de débauche. Il a discerné. À son sol à qui est mort. La foule. Et Paul a la même laissée. Et moi, il m'a dit qu'il y en a eu. Entre nous et le Satan. Paul dit. Paul a dit. Non, c'est ça, chasser les démons. Il y a un homme qui a dit qu'on a dit. Au nom de Jésus, sors! Ce qui est organisé dans le monde, vous êtes en train de chasser les démons. Par où le Seigneur est qui? Nous n'avons pas la vie, les démons dans la foule. Par où le monde est qui? Nous n'avons pas la vie, les démons dans la foule. De la même manière que Jésus avait vu les démons dans Pilate. Moi, tu le vois, Yes, on a dit, nous n'avons pas la vie, les démons dans la foule. Le peuple, l'immota, quand tu prêches bien, quand tu parles des choses, remarquez bien, le peuple viendra vers toi. Le peuple, alléluia. Maintenant toi tu te dis, avec la coupe que j'ai eue, mais regarde comment la foule m'a prédit. Tu dois voir Dieu pour ouvrir tes yeux. Maintenant que la foule crie sur toi, tu dois avoir pitié de toi. Yo, c'est quoi la mawaka? Seigneur, pourquoi je fais ça? Pour la nuit de la salle de Cambo. Sois petit. Yo, Valoni. Quand votre église, aujourd'hui encore, les lois sous, elle est devenue ce qu'elle est. Et comme il m'a envoyé sa vie, parce que frère, elle n'est pas été la déco. La sexualité, quand ça vit dans ton moment, c'est la moralité. Cet esprit-là, mon livre, voilà. Je ne marche pas le mot. Vous ferez la cupidité dans l'église. Vous ferez les sorciers dans l'église.
il est dans son authenticité, dans son adultère. Ça va souiller les corps de toi. Et ça va freiner pour que l'œuvre de Dieu avance. Les péchés individuels. Le péché est individuel concernant le salut. Concernant le salut. Ils sont quatre. L'un vit la vie mauvaise. Cela n'empêchera pas que les droits qui ne vivent pas soient sauvés. Thank you.
été possédé. Je vous l'ai dit, frère. Parce que nous avons vécu, frère. Et quand on nous a étouffés, nous avons vécu. Et quand nous sommes sortis, nous avons vécu. Je ne parle des histoires. Je prêche, je suis tombé au Guinée. Un homme de Dieu. C'est la prière et le jeûne. Je vous informe. Quand il apprend, il est possédé. Vous l'amenez à la permanence. Vous sentez que ça bouillonne. Ce qui est votre souffle, on avait même possédé. Ah, si il va y avoir un moment, Moïse est là. Moïse est Mose. Charles, il est là. Bon, allez à la permanence. Ok, le moment est comme un bébé. Les hommes de Dieu, oui, mais la permanence. Satan, cher, c'est les hommes de Dieu de la permanence. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu vas me chasser là-bas, tandis que toi tu y es avec moi. Et vous allez voir là. Le serviteur qui le perd ne plus aller s'acheter. Or, on reconnaît le ministre de Dieu. Je vais te
Que ça il est pas prêt.
Tu verras, il ira chez les féticheurs. Tu verras, il va changer de prédicateur. Tu verras que quand il apprendra qu'il y a un homme qui marche avec lui, il ira. Un homme qui marche avec sa femme, il ira. Un homme intègre. Seulement avant de prier, tu mets la tête à côté.
Je ne verrai pas, Seigneur. C'est quelque chose que je ne ferai pas. Et d'ailleurs, on a dit, je ne verrai pas bien de cela. La prière que tu dois faire, Seigneur, délivre-moi de cette manière de mettre cette coupe. Le savoir, vous avez dit, vous avez dit, colo, quand on a gagné dans le lait, quand on a gagné dans le lait, Dieu va te donner la même chose que tu n'as pas demandé. Nous allons encore décortiquer un peu et donner le chemin. Mais Seigneur dit, garde à tous les péchés. Comment pas il nous faut résister. Et mais quand à l'église du site, le Seigneur dit, profite. Pourquoi ces péchés-là? Ces péchés-là, le Seigneur trouve ça trop dangereux. Parce que d'autres péchés, le Seigneur dit, comment le dit? Résistez. Quand tu as ces péchés-là, le Seigneur dit non, ne résistez pas. On ne peut pas résister. Quant à celui-là, la fétiche que je te donne, bon, dans la haute question. C'est ça la fétiche. Bon, ne te prends pas être fort et puissant. Beaucoup de choses qui nous sont arrivées dans nos vies, un homme de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans cette chose-là sans que Dieu l'arrête. Ne se repentira jamais.
C'est pour nous introduire quelque part. Il y a moins de réponses à quoi c'est que nous avons ici. La Bible dit, Bible la vie. Les prostituées foutent des environs. Vas-y, tout va la voir, il va se faire. Tu viendras me dire ça, c'est prophétique. Donc, vous voyez, ça va être ça. Donc, il y a le naturel de la chose. Vas-y, moi je savais, vous voyez, ça. Les premiers seront les derniers. Ah ouais, il va se faire. Tu vas me parler de l'épouse Israël, tout ça chez quoi? Oh, mais la vie, tu n'as pas dit à l'Israël, non, qu'on a l'air. Je ne connais ça si jamais. Voyez, moi, la salle, un peu. Mais dans la pratique, qu'a dit l'apôtre, bien fait. Na, oh, il y a dit qu'on s'en est à mort, donc quoi? Thomas, il arrive. Et toi, la salle, dans la vie d'un enfant de Dieu. Ah, la bonne, il y a moi, la salle. Qu'il ne soit prostitué. Et là, ça n'en doute pas. Jusqu'à ce qu'il soit avec vous. Toi, tu es en train de dire nous, avant que le Seigneur vienne, la prostituée, moi c'est quand tu vois à la parole, il est enlevé, et toi, avant ce jour-là, tu reçois la puissance de Garema, et l'autre t'a devancé. Oh, mon sous, voilà, c'est à qui il me sonne alors? Le fils de la condition. Moi, la leader, on ne reconnaît pas sa femme. Bah, il y a la taille de la soukanaï. C'est pourquoi le Seigneur dit. Déjà, c'est la parole aujourd'hui. Matthieu 18. Mon canard, Matthieu, ça va faire un péché. Ceux qui ne vont pas se reprenez. Ok, il y a pas, mais aujourd'hui, c'est un. Il n'écoute pas. Allez, quittez. Tu prends le deux témoins. Je suis parce que les gars, il n'écoute pas. Voyez au platin. Informez l'église. Il y a des salles qui est là. N'ayez pas l'habitude de sauter cette étape-là. Satan s'est introduit dans une scène ici.
Satan a conduit quoi Satan a déroulé comme ça. C'est pourquoi tu voulais que diable dans la beauté. Il y a mon point de diable nous tient dans le zéga. Il vient te porter aux femmes. A rien il faut perdre sa tasse. En dehors de son visage. J'y bandais et on dit rien. Oh, les amis, comme il y a. Certaines choses qui tirent les sourcils. Nous, on se sent les amis pour perdre. Il tire ça. Il lui donne même tous les instruments de beauté pour une femme mettre certaines choses de souci de justice. Regardez ta mère, petit sac. Vous verrez les armes du diable. Moi, je vais y aller comme une fouille. Vous allez dire, mais toi, t'as fait qui ou? Vous allez dire, voilà, qui c'est comme moi. Nous allons dire notre dernier proverbe bientôt. Autant, on est dans la vie comme ma cesse, ça, ça y est. Nous allons lire le proverbe. Autant, ma cesse. Pendant que je vous réponds, qu'on nous lise le proverbe. Il crie, il est aussi.
va multiplier à... C'est pas ça. C'est pas un mauvais péché. Pardon? Vers 5. Bon, si c'est vers 5. Comme ça existe, regardez ça. Le roi les a dit, on va dire un mot. Après prier, si tu en as besoin, viens, nous continuons. Si maintenant, le sang de ce qu'on a besoin dans un mot, il y a ta vie sur le feu. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7. La vie, mon roi, Colito, mon capot, il y a un mot. Le danger, je ne parle pas seulement. Ni comment dans cette tour de la carte à terre. Gardons le silence, s'il vous plaît. On va dire la Jésus est en train de montrer fuir. Nazarie, total, il s'est pourquoi bon, remarquez comment le Seigneur dit. À tout autre péché. Le Seigneur dit. À l'obi. Résister. Quand tu as fait le péché là. Le péché mignon, la faiblesse des enfants des saints. Le Seigneur dit fouiller. Je parle de la l'acte sexuel. Le Seigneur dit, d'autres péchés. Ça vient comme ça. Yango yaka. Mais ce péché-là, c'est hors du corps. Quand quelqu'un commet ce péché-là, premièrement, il s'est souillé lui-même. Même si tu y es, tu n'es pas un pasteur. Même le fait d'être seulement un frère. Le fait d'être une sœur en Christ. Tout toi. Que ce péché-là. Tant que je l'ai fait. L'acte sexuel. Suit le corps de celui qui a péché. Et quand tu es un conducteur de l'église, tu es la tête de ton corps. Quand tu es là-dedans, vous composez un corps. Parce que je ne crois pas à l'enseignement où un monsieur. Nous on est des visiteurs. On a d'autres programmes.
Mais on a des choses qu'il faut vous dire. Qui pourra vous aider à rentrer dans, dans votre position première. C'est si Dieu vous apporte un esprit éternel. La solution dans tout ce que tu es en train de vivre. Sois patient, écoute et Dieu te donnera ce que tu as besoin. Vous allez m'excuser, le verset 2. Parce que c'est très important. La Bible dit, pour ce qui le verset dit, toutefois, toutefois pour éviter, pour la colique qui ça. Éviter l'impudicité. On dit que ça rend que chacun aime sa femme. Et que chaque femme aime son mari. La Bible ne dit pas que chacun aime ses femmes. La Bible dit que chacun aime sa femme. Et que le mari aussi. Et que la femme aussi aime son mari. On ne dit pas que la femme doit voir plusieurs maris. Il y a des femmes ici, nous avons même des frères qui ont plusieurs maris. Elle a un mari. Elle a abandonné au village. Elle a un mari. Qu'elle a ici. Elle a aussi un mari qu'elle a dans son cœur et n'a pas encore touché. La Bible dit, pour éviter l'impudicité. L'impudicité, c'est l'acte sexuel. Qui est fait dans la perversion. C'est ça l'impudicité. Donc, le vin, c'est Dieu qui a fait le vin. Et qui a donné le vin à l'homme. L'acte sexuel, c'est Dieu qui a établi ça après le péché d'Adam et Ève. C'est Dieu qui a fait ça. Comme Satan, le bon Satan ne crée pas. Il veut toujours dans ce que Dieu a fait. Mais là pour pervertir ça. Dieu parle de l'acte sexuel. Satan vient créer l'impudicité. Dieu crée l'acte sexuel. Dans son dictionnaire. Satan vient faire son dictionnaire, il crée l'impudicité. Maintenant le Seigneur dit, quoi, pour ne pas tomber dans le dictionnaire de Satan. Pour que tu ne sois pas gouverné par Satan. Le Seigneur dit, il faut voir ta femme. Et Seigneur, il faut avoir ta femme. Et Seigneur, il faut avoir ta femme. Pourquoi? Parce que si tu es célibataire, frère Paul continue en disant, pour que tu ne brilles pas, chacun doit avoir sa femme. Avoir sa femme. Des prédicateurs, des assemblées, des
non. Parce que ces gens-là voilà. Ne sont pas à côté de leurs gens. Basali, Pembeni, Yabasi n'a pas côté. Ils ne savent pas marcher avec les femmes. Basali, quand il a côté pour la terre et le moins mon corps n'a pas ça. Il faut bien marcher avec des seuls qui sont. Parce que quand la sœur elle est jolie, elle devient comme une fleur qui accompagne le pasteur de l'assemblée des saints. Vous trouvez là dans une ville, le pasteur de l'assemblée des saints qui veut aller exhorter une famille accompagné de sa femme pour aller tourner. C'est rare. Et ça dit, on va dire comment la présence est. Et on va pas de l'Israël de Saint-Dieu. On va dire que les volets accueillir la moitié de l'Israël de Saint-Dieu. Ça, tu sais. Tu es allé la prendre dans l'église. Oh, il y a des gens qui ont été. Parce qu'un autre enseignement. Un enfant de Dieu doit se marier que dans le Seigneur. Maintenant tu as pris la sœur. C'est ça qui m'a conduit de pharmacie. Cette sœur-là, de pharmacie, tu l'as trouvée dans le temple. Et prie le Seigneur. Tu as dit, je veux que tu m'accompagnes. Que tu deviennes moi. Quand tu veux aller exorciser, quand tu veux aller faire l'œuvre de Dieu, tu prends ta femme, tu vas avec, comme Aquilas. C'est vrai. Et ça, il m'a pas présenté. Vous allez trouver que. Parce que comment elle est. Il me préfère. Bah, il a quand même. Laissez sa femme à la maison. Sorti comme moi, c'est un dalle. Prends le ministre. Pour vous, comment on va moi aussi. Accompagne-moi. Ah, d'accord, il m'a pas dit. Vous partez. Vous allez ok. Mais diable est là pour utiliser ce corps. Vas-y, diable, je vais prendre pour ça, il en soit que. Pour que les pasteurs des assemblées des saints, des saints des assemblées des saints, combien de choses doivent apprendre à marcher avec leur femme quand ils vont faire l'œuvre de Dieu. Pour être passé ensemble, parce que vous pas les dans la salle de saint, parce que vous n'avez pas les pas les pour pour la base de la bataille pour la bosse de la salle. Dès qu'il veut sortir, quand on va venir, la femme lui demande seulement tu vas où? Moi, je regarde une oreille, aux autres qui demandent. Il faut écouter la réponse. Cette réponse, c'est pour étouffer la femme de ne pas la suivre. Et la noire, elle n'arrive pas à la connaître. Moi, c'est quoi la taille? Laissez-le marier. Bande de papa, c'est pas au papa. La Bible dit que vous êtes l'aide semblable. Didier, au bien de vos amis, Basungi. L'aide, ce n'est pas pour seulement laver ses habits. Mon souvenir est que tu pour la vie à Banaye. Quand il veut sortir, Nathalie Bodima, tu dois m'accompagner. C'est qu'elle est prête au Landaye. Amen, mes soeurs. Oh, il ne fait pas. Non, mais Banaye, quittez. Elles sont déjà étouffées. Vas-y, Banaye, dis la première des choses. Et là, on deuxième chose. Et là, Banaye, quand tu es célibataire, sauf que ça dit mon la porte de Paul dit, toi, parole, c'est lui qui est célibataire. Mon Dieu, est un homme zéma. S'occupe des choses du Seigneur. Yé, attends la mine, ma camarade. Comment s'occuper des choses du Seigneur? Les gars, dis-le, attends la mine, ma camarade. En fuyant. N'a pas qui m'a la femme. Moi si. Amen. La femme. Moi si. Pour les assemblées de sœurs. Bon, n'a pas ça, n'a ça. Satan utilise des femmes. Satana, à la ligne, pour ça, n'est pas si. Il faut éviter à regarder 10 minutes, 5 minutes le visage de la sœur. Et ce que nous avons dit, c'est qui ça? Pour qu'elle ait l'on vient de commencer 6 minutes, il dit qu'elle a consommé. Tu es là. On t'a dit, voilà. Elle est devant toi. À ça, il me sent là-haut. Elle parle doucement. À ça, qu'on va d'abord parler. Ne faut pas tirer l'attention sur sa manière de parler avec douceur. Pour qu'elle va t'aider, la langue est naïe, il y a qu'on va d'abord parler. Deuxième chose, on va lui parler. Ses paupières, ma tête, ses paupières, ma tête, ne t'éternise pas à la regardant. Elle ne finira par te mordre comme un serpent. Et mon souk, elle est pour la gnocca.
ses paupières-là et son visage. C'est pourquoi, quand tu es en consultation, la première chose qui est arrivée au frère de passer les églises de Saint, nous, on n'a pas écouté. Mais Dieu a parlé, Dieu avait parlé. Il faut refuser d'être la personne qui côtoie que tu sais. Il marche qu'avec tu sais. Il faut refuser cela. Si tu veux le visiter, accompagner de ta femme. Mais si ta femme garde les enfants, selon ta doctrine. Prends un autre bien-aimé, allez le rendre visite. Deuxième chose, ses paupières ne t'éternisent pas en la regardant. Elle ne finira par te mordre comme un serpent. Ses paupières-là et son visage. C'est pourquoi, quand tu es en consultation, la première chose qui est arrivée au frère de passer les églises de Saint, nous, on n'a pas écouté. Mais Dieu a parlé, Dieu avait parlé. Il faut refuser d'être la personne qui côtoie que tu sais. Il marche qu'avec tu sais. Il faut refuser cela. Si tu veux le visiter, accompagner de ta femme. Mais si ta femme garde les enfants selon ta doctrine, prends un autre bien-aimé, allez le rendre visite. Il ne faut pas être seul. C'est ça, fouille. On le voit. Gagne. Mais moi je suis rempli de la puissance. Gagne. Tu vas boire du vin. Deuxième, troisième chose. C'est comme le faire aussi. La consultation des hommes de Dieu. Pour les assemblées de saints. Si vous avez un bureau, je parle aux hommes de Dieu. Pour que vous ne puissiez pas tomber dans ces choses. Prends le rendez-vous avec la sœur dans un lieu public comme la loi. La sœur t'appelle avec le téléphone. Donc, j'ai un problème. Dis-lui, un rendez-vous sous la gare. Et sous la gare, les visites de maison en maison. Je l'ai toujours dit. Il s'est produit à la scène. La scène commence à t'expliquer.
exposé de bonnes choses. Moi, je ne vais pas dire que le roi m'a dit Alléluia. Alléluia. Vous savez, mes frères. Vous voyez, il va dire je vous dis des choses qui sont vraies. Si vous comprenez, nous les autres, on disait Dieu, afin que la chose vous arrive. Vous voyez, il s'est dit que vous avez dit le Seigneur utilise les gens d'une manière ou d'une autre. Même quand le murmure court déjà. Et que rien n'est encore fait. Coupe ce chemin-là. Donc, même si tu sens le cœur des fils. Dis mon cœur, sors, vas-y. Amen. Ça, ce sont les choses que les gens n'aiment pas. Écoutez, mon frère. Tu dois être accompagné. C'est pourquoi le téléphone, à un moment donné, j'ai aimé vraiment ce que monsieur Moubou était à l'époque. Monsieur Mobutu ne voulait pas qu'un Congolais ait le téléphone portable. Mobutu a l'évacité de moi en Congo, Atana, Allo, Allo et à ma boko. Il a placé pour nous les phonies. Et a-t-il acquis qui sont la phonie? Parce que quand tu vas là-bas, tu vas crier. Vous êtes autant qu'il faut qu'on gagne. Tout le monde est entré, monsieur. Mais depuis que les gens ont eu des portables, ils nous ont appris ce que c'est le SMS. Avec la politique qui dit que les portables personnels. Vous voyez quelqu'un est là. Oh, tu fais quoi là, toi? Vous faites le message. Ça ne craint. Même si elle est préparée. Attends, c'est comme ça. Bon, on est là. Et maintenant, ça, ça y est. C'est téléphone. Eh, bah, allô, Anna. Quand ton téléphone. Non, ouais, t'as dit, allô. Reste-tu le seul coup de téléphone. Yo, on suit et allô, et ben, et allô. Quelqu'un qui commence seulement à te dire les. Ah, ah, ah. Mais hélas. Mon ami, mon ami. Ah, Béba, hélas. Il ne faut pas laisser les temps dire que bon, je voulais encore le voir là où il allait venir. Faut dire que les temps, tu sais, vous êtes dans la vie, on a mon nez, c'est quoi, il a dit quoi, il a commencé. Ça, c'est diable. On va aller voir le diable. Directement. Bah, mon bon. Tu écris à cette personne, à ses frères, à ses pasteurs. De ne plus te reprendre, sinon je vais te dénoncer. Bah, mon con, on connaît les promobans, on a donné le poids, ton bâtiment n'y a pas de honnête, et si la voilà, ce qu'on s'allie du sous la communauté, moi le Seigneur dit, la tine à quoi, si on arrête une fiancée, ce qui va gagner, on va disparaître à moi, quoi, à moi, si une fiancée, on va disparaître à moi, si on couche avec, bah, la ligne dans la brousse. On va condamner l'homme. On ne va pas condamner la femme. Peut-être la femme a crié. Il y a une personne qui pouvait la soutenir. Et si on trouve dans la maison une femme, une fiancée, qui couche avec celui qui n'est pas son mari, on doit le tuer tous les deux. La femme, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas dénoncé. Elle n'a pas crié. Ganga quitte. Ganga. Ganga. Que tout ce qu'on t'amène là. Les femmes finiront par te tuer. Ta vie sera un misère. Amen. Équilibrer la manne ramassée dans le désert des sortes que chacun a nommé.
si vous voulez. Que l'homme de Dieu prie pour vous. Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, si vous voulez qu'il vous réponde en particulier, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si son numéro est disponible sur ce vidéo ou sur le site. Sinon, contactez-nous et nous transmettrons votre préoccupation. Nos contacts sont visibles depuis le site. N'oubliez pas aussi, en tant que chrétien, votre devoir d'évangélisation. Venez évangéliser avec nous en soutenant financièrement cette œuvre évangélique, Christ Equality Foundation. Pour le faire, tapez sur christequality.com/evangelisation.html. Donnez à Dieu ce qui se trouve dans votre main, et il vous donnera ce qui se trouve dans la sienne. Recherchez-vous les enseignements du Dr Albert Callo? Allez sur christequality.com/albertcallo.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à notre première YouTube channel, Évangile éternel. Puis souscrivez ensuite à notre seconde YouTube channel, Christ Equality. Souscrivez s'il vous plaît. Pour retrouver les enseignements de tous les ministres en ordre, allez sur evangileternel.com ou sur christequality.com. Faites-nous savoir si vous éprouvez le besoin de traduire ce vidéo en d'autres langues pour conquérir une audience mondiale. Que Jésus-Christ, notre commun Seigneur et Dieu, vous bénisse tous. Amen. Evangileternel.com. Le signe de l'Évangile éternel.